Nous passerons les prochains mois, je parle de mois et non d'années, avec un parti, un gouvernement de pouvoir du Parti québécois, mais à moins de 10 sièges de majorité. C'est une bombe à retardement, ce gouvernement-là. Le Québec est vraiment dans une phase de changement et en pleine mutation. Je pense que c'est une première phase. Il ne faut pas voir la soirée de ce soir pour Option nationale, il ne faut pas la voir comme une défaite. Je pense qu'il faut la voir comme une victoire. Parce que dans plusieurs. Yeah. Parce que dans plusieurs circonscriptions, partout dans le Québec, nous avons empêché l'ordre établi de continuer sa route de façon calme et tranquille comme avant. Avec les 5-6% peut-être qu'on va faire ailleurs, dans certains endroits, les 3-4. C'est ce qui manque au Parti québécois d'aller chercher une majorité. Et là, les libéraux sont même revenus plus fort, la CAQ à 20%. Imaginez, Pauline Marois qui va devoir négocier avec François Legault pour... Et voilà, c'est ça. Peut-être qu'on va se retrouver dans une semaine avec un gouvernement minoritaire, un nouveau chef. On va se retrouver avec une opposition officielle, avec un nouveau chef, un troisième groupe parlementaire sans son docteur vedette et un nouveau chef qui est chambranlant en l'air dans sa circonscription. Donc imaginez, tout ça est une bombe à retardement et je pense que ce soir il faut voir malgré tout. Pardon, combien, Patrick? Ah d'accord, c'est pas moi qui s'adressait. Très bien, je pense qu'il faut voir la soirée de ce soir comme une victoire extraordinaire pour l'Option nationale. Nous avons fait une percée formidable à travers le Québec. Je vous le répète, nous n'avons que 10 mois et je pense que c'est un pas derrière pour mieux sauter la prochaine fois et nous rendrons encore beaucoup plus loin. Je message André Drolet, libéral, qui est sur le point de regagner son siège, il est complètement absent de la scène. 47% de ton participation. Combien? 47% de ton participation à l'élection. 47% de ta participation. C'est ridicule. Mais ça continue. Ça, c'est quelque chose qui se voit à la toute fin. La source, c'est Radio-Canada, plus Power Corp à Mars. Ouais, soit ton vœu. Ben, c'est la preuve, chers amis, qu'il y a encore plein d'indécis dans le Québec et qu'il faut continuer de semer l'enthousiasme à travers de nos pays. Et pour semer l'enthousiasme, qui de mieux que, je pense qu'elle est la plus grande victoire de l'Option nationale ce soir, c'est une percée de 7%, je pense, dans son comté. Oh, Catherine! Option nationale, évidemment, on a fait, j'en rappelle, on a fait tout près, je ne sais plus combien, dans Nicolas Descancours, mais ça a pris 7%. Le deuxième meilleur score national, il s'était juste ici, en haut de la côte, 8%. Mesdames, messieurs, regardez comme on est beau, comme on est nouveau, regardez comme on n'a jamais vu ça dans d'autres assemblées politiques depuis 10 ans. Je ne sais pas si vous êtes allé en jusqu'à là. Bon, on va attendre
attendre le petit mois avant chaque élection. Après quand même, ouais, peut-être pas demain. L'existence il y a 10 mois. C'est extraordinaire. C'est grâce à nous, tous nous autres qui avons fait ça. Là. Bravo! Comme un peu génétiquement italien, ça fait que je suis émotif. Non, non, c'est pas de la merde. Tu sais, nous autres, on a eu là, dans Louis Hébert, ton petit Samamal. 525 fois à l'heure. 525 fois. Avec 10 candidats. Non, on peut dire qu'il y avait 10 candidats. On est allé les chercher là, un par un avec nos sons. Ouais. Ils ont plein de rire. Il est fatigué, celui-là. Ouais, un peu que c'est brûlant. Hein. Juste la soirée d'avant là, on est tous brûlés. On a regardé ça, la carte de Louis Hébert, on a mis en jaune les rues dans lesquelles on était reconnus ou pas. Il y avait jaune partout, il n'était pas tout vert, mais c'était tout jaune pareil. On était juste 8. Juste à 8 personnes, je peux tellement faire des choses. Là. Je remercie tellement là, mon DOC, Patrick Côté. Il m'a fait faire tellement d'affaires que j'avais pas envie de faire. Là. Après ça, je me disais une chose pour le faire. Finalement, c'était vraiment le fun. C'est vraiment un méchant travail d'équipe. Des fois, la lumière est vraiment bonne sur la vidéo. Là. Violaine, tu sais, qui a coordonné, en tout cas, le porte à porte. Je disais, ça pas de ce qui est beau là-dedans, c'est que tout ça, on l'a fait pour pas une crise de sel. Quasiment pas une crise de sel non plus. Tu sais, ce qu'on a fait là, c'est qu'il y a plein de gens qui, on les croisait là, dans porte à porte quand on allait faire des. Tu sais, on allait sur la plage Jacques-Cartier, on allait dans le casse-croûte chez Michel. Puis là, on rencontrait du monde, puis ils disaient, hey, vous là, vous êtes hot. Cette fois-ci, je vais voter des culs parce que je veux pas que ça maman y rentre, ça n'a même pas marché. Mais ils ont dit, on aurait dit des centaines de petits René Lévesque qui nous disent oui. La prochaine fois par exemple. Tu sais, ce qu'on a fait là, une porte à la fois là, tu sais. Des fois, ils nous fermaient ça dans la face, les hosties. Et on a tout fait pareil parce que c'était important, tu sais, qu'on n'aide pas le sel. Tu sais, on l'a pas fait.
remercier Sol Zanetti, Catherine Dorion, Guillaume Cyr, Guillaume Langlois, Marianne Garnier, Christian Saint-Pierre, Jean Bouchard, mais je dirais qu'on l'a même pas fait pour Option Nationale. Option Nationale, c'est un accessoire. On l'a fait pour l'indépendance du Québec à chaque seconde. Ouais! Avec ce que tu crois qui est le meilleur pour Québec, c'est ce que Jean-Martin a fait.